La loi Megan est une loi américaine d'abord adoptée en Californie de protection de l'enfance et de prévention des crimes sexuels sur mineurs qui permet à tout un chacun de savoir s'il y a des pédocriminels condamnés dans son quartier via la page internet Megan's Law par une brochure régulière remise à jour et distribuée dans toutes les boîtes aux lettres ou dans le journal. Cette loi a eu des effets très positifs sur le nombre de crimes pervers sur jeunes mineurs dans les États où elle est la plus appliquée, en créant un sentiment de surveillance permanente chez les pédocriminels et en orientant très vite les recherches en cas de disparition d'enfants. Cette loi a failli être exportée et adoptée au Japon en 2005 suite à une affaire qui a une nouvelle fois bouleversé le pays et posé nombre de questions sur le suivi de ces criminels après leur sortie de prison, leur fichage éventuel et même le simple accès par la police aux informations relatives à leur condamnation. 15 ans après Miyazaki Tsutomu dont je vous ai déjà raconté les horreurs et trois ans après Takamura Mamoru dont je vous ai longuement parlé dans mon premier livre et dont nous parlerons sans tarder en vidéo. L'acte le plus ignoble et impardonnable venait à nouveau d'être commis par un homme déjà condamné pour cela, le viol et le meurtre d'une enfant de 7 ans. L'assassin Kobayashi Kaoru, 36 ans au moment des faits, était un multirécidiviste, condamné 8 fois pour des attouchements, des viols et même une tentative de meurtre sur mineurs de moins de 12 ans, mais laissé sans surveillance. Sa petite victime, Ariyama Kaede, était alors devenue le symbole de la lutte contre la pédocriminalité, le crime le plus impardonnable qui soit, et ce, quelle que soit la culture. Mais comment un tel drame a-t-il pu arriver, et surtout, qu'est-ce qui a pu pousser un homme à commettre un tel acte Laissez-moi vous raconter l'affaire que les journaux de l'époque appelaient le meurtre de l'écolière de Nara, et l'histoire de celui qui en fut le responsable et coupable condamné, Kobayashi Kaoru. Kobayashi Kaoru est né le 30 novembre 1968 à Osaka, dans le quartier de Sumiyoshi. Fils unique d'un couple de gérants de station-service, il est né avec un handicap visuel qui, dès le début de sa vie, l'isolera des autres et lui fera prendre du retard dans ses apprentissages. Très occupé par leur travail de pompiste, qui ne payait pourtant pas beaucoup, le couple Kobayashi n'avait pas les moyens de consulter un spécialiste et le petit Kaoru dut apprendre à vivre avec son handicap. Assez tôt dans sa vie, il commencera à être le souffre-douleur d'un père alcoolique et violent qui ne supportait pas de voir son fils unique en retard par rapport à ses camarades. Alors, régulièrement, le père ivre et hors de contrôle frappait son fils et l'insultait, le rabaissait, sans prendre conscience qu'il semait les graines d'un funeste destin. Lorsque le père avait passé sa colère contre son enfant, qui allait alors trouver du réconfort dans les bras de sa mère, c'était à son tour de subir l'ire de son époux, les coups et bien souvent les viols. Kobayashi dit avoir assisté à maintes reprises à ces séances d'une rare violence sur sa mère, alors qu'il se cachait sous la table ou dans le placard pour ne pas avoir droit à une deuxième salve. En 1976, alors qu'il n'avait que 8 ans et devant les grandes difficultés financières du foyer, son père lui trouva un petit travail de distributeur de journaux. Alors, chaque jour, avant d'aller à l'école, le petit Kaoru prenait son vélo et allait poster les journaux du matin dans les maisons du voisinage. Privé des distractions dont jouissaient ses camarades de classe, il était aussi devenu leur souffre-douleur, se moquant de son handicap visuel, de sa surcharge pondérale, mais aussi de la pauvreté de ses parents et des affaires de classe recyclées et sans marque qu'il avait. Mais assez jeune, le petit Kaoru se réfugia dans un monde bien à lui, un univers où sa mère était le seul pilier équilibrant et les mangas qu'il lisait, avec peine mais avec passion, une véritable échappatoire aux brimades du quotidien. Mais dans la réalité, sa mère était une personne de constitution fragile, minée par les problèmes financiers et un mari violent, et qui dissimulait mal une dépression profonde. En 1978, alors que Kaolouf était ses 10 ans, sa chère mère lui annonça qu'elle était enceinte et qu'il allait devenir grand frère, croyant lui faire plaisir, mais ne faisant que déclencher chez lui une véritable panique affective, dont il parlera bien plus tard aux nombreux psychiatres qui le virent. Loin d'être un heureux événement, il apparaît aujourd'hui clairement que cet enfant fut le fruit d'un viol conjugal, la grossesse ne se passa pas bien du tout et madame Kobayashi dut faire de nombreux séjours à l'hôpital, accentuant un peu plus la détresse financière du foyer, ce qui avait le don de mettre le futur papa dans une colère noire, colère qu'il passait bien sûr sur son fils et, lorsqu'il le pouvait, sur sa femme. A la fin du huitième mois de grossesse, elle dut être à nouveau transportée d'urgence à la clinique où le médecin décidera de provoquer l'accouchement. Mais à cause d'une dystocie mécanique, c'est-à-dire une suite d'incidents graves lors de l'accouchement, le père dut prendre une terrible décision, sauver la maman ou sauver le bébé. Sans aucune hésitation, il choisit de sauver l'enfant, condamnant à mort son épouse sous les yeux horrifiés de Kaoru qui l'avait accompagné. Comble de malheur pour la famille, le petit frère qui venait de naître souffrait d'une infirmité motrice cérébrale, certainement due à l'accouchement difficile. Dans la tête de l'aîné, cette succession d'événements fit l'effet d'une bombe. Il venait de perdre la seule personne au monde qui l'aimait et le protégeait et voyait toute l'attention portée sur cet être qu'il considérait comme responsable de la perte de sa mère. Très vite, sa grand-mère vint vivre chez eux s'occupant du bébé et du père Kobayashi sans vraiment prêter plus d'attention que ça à Kaoru, qui continua à vivre seul et isolé du cercle familial, recevant toujours les corrections paternelles à chaque occasion. En parallèle, il avait repris son activité de livreur de journaux et gardant une partie de son salaire, se payait quelques mangas et dépensait quelques yens dans les salles d'arcade pour oublier un peu son triste quotidien. En 1980, il entra au collège et y vécut des années parmi les pires de son existence. Moqué par ses camarades pour son handicap visuel et son physique, il se réfugia vite dans ce monde qu'il avait créé lorsque sa mère était encore là, mais maintenant, il y plaçait ses héroïnes de fiction favorites en lieu et place d'autorité morale. En troisième année de collège, l'équivalent de la quatrième en France, il découvrit par le biais de magazines spécialisés qu'il trouvait dans le métro des publications légales qui mettaient en scène de très jeunes filles, parfois même des enfants, dans des histoires pornographiques souvent extrêmes, violentes et baignées dans l'apologie du viol. Dégoûté des choses du sexe par les visions horrifiantes de sa mère forcée par son père ivre, il développa aussi et de plus en plus un profond dégoût pour les filles de son âge qui l'ignoraient et se montraient cruelles avec lui, là où elles admiraient ses camarades sportifs et cool, eux aussi ses bourreaux du quotidien. Bientôt, il fera de cette littérature illustrée pédopornographique une de ses activités principales et se mettra à rêver d'un passage à l'acte, qui malheureusement ne tarderait pas à arriver. Alors qu'il était en deuxième année au lycée de Sumiyoshi à Osaka, il partit en camp d'été à Tottori sur la côte ouest du Japon, voyage payé par la mairie et seul moyen pour lui de s'éloigner un peu de sa chère famille. Réparti par âge et par sexe dans des pavillons en pleine campagne, il ne se mêlait que très peu aux garçons de son école et traînait souvent aux alentours de la zone réservée aux filles et plus particulièrement aux petites filles de primaire. Plusieurs fois, il en avait été chassé par les aînés du collège et du lycée ou par des moniteurs, mais avait fini par repérer et noter les horaires de sortie, de douche et de promenade, et prétextant de fortes céphalées à cause de son handicap visuel, restait souvent dans son pavillon avec une surveillance moindre. C'est un matin qu'il s'était fait porter pâle qu'il se faufila dans le camp des primaires et repéra deux fillettes de 8 et 9 ans qui marchaient ensemble en direction du bloc sanitaire. Il les suivit et entra avec elles dans le bâtiment. Sous la contrainte, il leur fit subir des attouchements sexuels et força l'une d'entre elles à lui faire une fellation. Quelques minutes plus tard, terrorisées, les deux petites victimes se précipitèrent en parler au professeur qui alerta immédiatement la police. Kobayashi fut arrêté moins d'une heure plus tard alors qu'il tentait de prendre la fuite à travers les bois. C'était la première fois qu'il avait des ennuis avec la loi, mais malheureusement, pas la dernière. Mineur, il sera déféré devant un juge pour enfants qui le condamnera, lui, à un suivi psychiatrique et son père à une forte indemnité financière à verser à la famille des petites victimes. Littéralement passé à tabac par son géniteur des jours durant suite à cette affaire, il se hâtera de rembourser celui-ci grâce à son salaire de paperboy finira le lycée tant bien que mal et quittera le foyer en mars 1987. Il trouvera un petit boulot dans un restaurant de l'Amen de Osaka mais n'y restera pas longtemps. Reprenant contact avec la compagnie qu'il employait comme distributeur de journaux depuis des années, ceux-ci lui proposeront un poste à Nara, non loin de la ville d'Osaka qu'il détestait, mais aussi et surtout loin de sa famille qu'il haïssait. Il accepta le poste et déménagea. Mais les choses ne se passèrent pas forcément comme il l'espérait. Son premier contrat n'était qu'un temps partiel et lui permettait à peine de se loger dans un taudis de 20 mètres carrés, de manger et lui interdisait tout loisir. Alors il commença à tricher sur ses trajets pour toucher des prix, mais voyant que cela marchait, tenta un bluff en expliquant à son chef de district que la maison mère lui avait signé un temps plein avec une distribution étendue. Contraint de montrer ce fameux contrat, il en falsifiera un, visiblement avec un certain talent, et ni vu ni connu, obtiendra son temps plein. Mais cette amélioration de train de vie le fit aussi tomber dans des travers qu'il n'avait jamais vraiment quittés, et bientôt, il se remettra en quête de mangas et livres pédopornographiques, payant parfois une fortune pour les plus interdits d'entre eux. Alors, bien sûr, il aura besoin de plus en plus d'argent pour assouvir son terrible penchant et se mettra à voler dans les caisses du dépôt de journaux, falsifiant d'abord les registres de distribution pour ne pas attirer l'attention, puis, prenant de la confiance, piocha juste dans les recettes du jour. Il se fera prendre et renvoyer immédiatement. Sans preuve formelle que cette unique fois qu'il prétendra être la seule, il sera relâché après une courte garde à vue. Conscient qu'il ne pouvait pas rester à Nara, il partit pour la ville d'Otsu dans la préfecture de Shiga. Quelques jours après son départ, un collègue à lui qui reprenait son casier y trouva un magazine dans lequel des fillettes posaient dans des tenues équivoques. Il en parlera à sa hiérarchie qui décidera de ne pas en référer à la police pour ne pas avoir d'ennui. Grâce à une fausse lettre de recommandation réalisée avec du papier à en tête volée, il trouva une place de chef de distribution chez Asahi Shimbun, un des plus grands journaux du pays. Là encore, il se refera vite un réseau et reprendra ses achats illégaux, alimentant ses dépenses à grands coups de vol de liquide dans les caisses. Mais une fois de plus, et comme il l'avait déjà fait lors du camp d'été à Tottori, L'envie de passer à l'acte se fit de plus en plus forte et jour après jour, il se mit à observer les parcs et les jardins de la ville où les enfants venaient jouer avec leur mère après l'école. Il avait repéré un petit parc municipal avec des jeux pour enfants où certains venaient jouer après les cours, sans surveillance parentale, sans doute sur le chemin qui les menait à la maison. Une première fois, il s'attaqua à une fillette de 7 ans, l'attirant de force dans un buisson du parc et lui faisant subir des attouchements après avoir retiré ses vêtements. Malheureusement, la fillette ne put pas donner de description précise de son agresseur. On pense aujourd'hui que Kobayashi avait dû retirer ses lunettes et probablement coiffer une casquette ou un bonnet pour modifier son apparence. Quelques jours plus tard, dans une ruelle non loin du parc, il attira deux petites filles de 6 et 5 ans derrière une petite baraque de loterie fermée et les forcèrent à le caresser avant de commettre là encore des attouchements sexuels sur elles. Elles iront voir la police mais décriront leur agresseur de façon vague, parlant d'un homme avec des lunettes noires, un bonnet et une grosse écharpe. Le lendemain de cette odieuse agression, c'est une fillette de 5 ans qu'il forcera sous la menace d'un couteau à se déshabiller et à qui il fera subir le pire. Puis, la même journée, ce furent à nouveau deux fillettes de 6 et 7 ans qui subiront la même chose, ne pouvant elles non plus décrire leur agresseur de façon précise. Voyant qu'il pouvait agir en toute impunité, Kobayashi se méfia de moins en moins. Alors, en décembre 1989, après avoir acheté des friandises et planqué des heures durant dans le parc où il avait pris ses habitudes, il attira deux petites filles de 5 ans qui s'amusaient sur la balançoire et les attira vers les toilettes publiques situées à la limite du lieu. Il les déshabilla et leur fit subir des attouchements ainsi qu'une tentative de viol sur l'une d'entre elles. Avant de partir en courant, laissant ses deux petites victimes en larmes. Leurs pleurs attirèrent des passants qui bien vite alertèrent la police et donnèrent le signalement du suspect. Kobayashi fut arrêté dans l'heure et condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes. Durant ce premier passage derrière les barreaux, il fut examiné par un psychiatre comme l'exige la loi dans les affaires de pédocriminalité. Après des heures d'entretien, ce dernier diagnostiquera un trouble du comportement sévère et surtout une déviance pédocriminelle avérée. Le médecin fit un rapport aux autorités judiciaires qui ne le transmirent pas à la police et, plus grave encore, Kobayashi termina sa peine sans qu'aucun traitement ne soit proposé et encore moins imposé. Il fut libéré en octobre 1991, bénéficiant des remises de peine et reprit le chemin du travail sans qu'aucun dossier de suivi ne soit envoyé aux autorités de contrôle judiciaire ni à son commissariat de quartier. Il put retrouver un travail de livreur de journaux usant à nouveau de fausses lettres de recommandation et se gardant bien de parler de son passé criminel à son employeur. Bénéficiant d'une petite aide à l'installation accordée à tous les nouveaux employés, il put prendre un petit studio dans un grand ensemble de logements et, comme la loi et sa conditionnelle le lui imposaient, se mit au travail très sérieusement. Mais, il le dira plus tard lors de ses auditions, ses années de détention sans accès à cette pédopornographie l'avaient rendu fou, et au plus profond de lui-même, il ne pensait plus qu'à une chose depuis le jour de sa libération recommencer. Alors, chaque jour, en partant et en rentrant du travail, il regardait les enfants de cette barre d'immeubles jouer ensemble, observait les parents, les endroits plus cachés que les autres, et, trois semaines après sa sortie, il passa à nouveau à l'acte. Au crépuscule du 29 octobre 1991, il guettait les enfants qui s'amusaient près des grandes balançoires d'un parc situé à l'arrière de l'ensemble immobilier des années 50. Il y avait moins de monde, les parents y étaient moins présents et souvent se contentaient de les surveiller par la fenêtre de leur appartement. Repérant un groupe de fillettes qui jouaient un peu à l'écart, il se posa sur un banc légèrement caché par un buisson mal taillé et situé juste derrière le bloc sanitaire qui faisait l'ongle de l'aire de jeu. Après une heure d'observation, une petite fille de cinq ans se sépara de ses amis et entra dans les toilettes pour filles. Kobayashi s'y faufila et se tint derrière la porte. Lorsque la petite fille ouvrit le loquet et sortit des toilettes, il la repoussa vers le fond avec violence et la plaqua au sol, lui mettant la main sur la bouche. Il la forcera à se déshabiller et lui fera subir des attouchements avant de tenter de lui imposer une fellation. Mais la pauvre petite victime se rebiffa et tenta de s'échapper en criant le plus fort qu'elle put. Alors il la saisit à la gorge et lui serra le cou jusqu'à ce qu'elle se taise et perde connaissance. Il s'enfuira aussitôt et rentrera chez lui au plus vite, ne tenant aucun compte des nombreux enfants qui le virent sortir des toilettes après l'avoir repéré des heures durant assis sur son banc. Heureusement, une copine inquiète ira voir ce qui avait bien pu se passer dans les toilettes, trouvera la petite victime sans connaissance et en informera vite les parents qui appelèrent la police et les secours, sauvant la vie de la fillette in extremis. Kobayashi fut identifié et arrêté dans l'heure, renvoyé devant la justice. Il vit son sursis annulé et écopa de trois ans de prison supplémentaire pour acte obscène sur mineur de moins de douze ans et tentative de meurtre. Une fois de plus, il fut pris en charge par le psychiatre de la prison d'Osaka et les diagnostics posés par son prédécesseur furent confirmés. Son addiction à la pédopornographie et son attirance physique pour les très jeunes enfants furent pris en compte par les médecins du système carcéral et il eut droit à de nombreuses séances de thérapie durant le début de sa détention. Puis, simulant une véritable remise en question, prétendant ne plus avoir aucune attirance pour tout cela et se montrant un détenu modèle, il fut dispensé de soins et le 9 novembre 1995, après être passé par la commission de libération anticipée, il fut libéré sur parole et put rejoindre le monde extérieur et le pensait-il déjà, son terrain de chasse. Cette fois aussi, il avait l'obligation de se présenter au poste de police de son quartier toutes les semaines dans le cadre de sa libération conditionnelle. Mais là encore, les Kobans, sortes d'îlotiers japonais, ne savaient rien de la nature de sa condamnation ni de l'appréciation des psychiatres qui préconisaient un suivi post-libératoire par peur d'une récidive. Sa conditionnelle prit fin le 23 juillet 1996 et il se retrouva à nouveau livré à lui-même, dans la nature et sans aucune surveillance. Craignant de retourner en prison s'il faisait un pas de travers, il avait trouvé un emploi de simple distributeur de journaux sans user de fausses lettres qu'il utilisait d'habitude pour de meilleures places. Après un an et la levée de ses obligations judiciaires, il postula pour un emploi mieux rémunéré et mieux considéré dans la branche distribution du quotidien Asahi Shimbun et lettres de recommandation bidon en poche l'obtint. Ce furent visiblement huit années de calme relatif que Kobayashi vécut à Osaka, puis à Nara, gérant la distribution du quotidien dans son arrondissement et se faisant discret auprès de ses collègues de travail, mais aussi de son voisinage. C'est durant cette période qu'il commença à fréquenter les snacks, ces petits bars à hôtesses où l'on vient boire et payer pour de la compagnie. Mais dans le cas de Kobayashi, son témoignage et ceux des femmes interrogées après son arrestation en attesteront, il ne venait pas pour ça. Toujours seul, il passait des heures à chanter sur la machine à karaoké et à boire du whisky premier prix à sa table, sans jamais s'offrir les services d'une seule fille. Devenu un habitué, il lui arrivait souvent de parler aux hôtesses et de s'inventer une vie, notamment celle d'un homme divorcé et au cœur brisé, qui avait une fillette de 7 ans qu'il ne pouvait pas voir. À partir de 2003, il lui arrivera certains soirs où il était particulièrement sous de montrer des photos de très jeunes filles, voire d'enfants, nus, en prétendant qu'il les recevait sans savoir d'où elles venaient. Au détour de conversation, il demandait aux hôtesses des établissements qu'il fréquentait si elles ne connaîtraient pas des endroits où il pourrait passer du temps avec des petites filles du type de celles qu'il leur montrait. Mais lorsque celles-ci faisaient part de leur réprobation, voire de leur colère, ils partaient immédiatement dans des pirouettes, arguant qu'ils plaisantaient. En janvier 2004, il trouva une annonce déposée par le journal Mainichi Shimbun qui recherchait un responsable de distribution pour sa branche logistique Yosato de Osaka. Il postula et obtint le poste sans même devoir utiliser de fausses lettres. De retour dans sa ville, dans le quartier de Higashi Somiyashi, non loin du lieu qu'il avait vu naître, il retrouva aussi ses vieux démons et les lieux qu'il connaissait bien. Alors, dès février 2004, il commença à taper dans la caisse pour pouvoir s'offrir les publications interdites qu'il affectionnait tant, sur Internet cette fois, et profita de ses livraisons matinales en camion pour voler des sous-vêtements et des tenues de sports enfantines sur les cordes à linge des jardins. Malgré plusieurs plaintes des familles, aucun lien avec Kobayashi ne fut établi par la police ne connaissant rien de son passé de pédocriminel. Sentant que la police s'intéressait de près à ce voleur de linge d'enfants et craignant d'être identifié, il décida de repartir pour Nara non sans avoir demandé sa mutation et volé le fruit de la recette avant de partir. Il prit ses fonctions à la plateforme logistique Nishiyamoto du journal Mainichi Shimbun dans le quartier de Kawai à Nara il se montrera un employé zélé et consciencieux pensant que ses larcins internes seraient passés inaperçus mais en septembre de la même année le responsable de la branche yuzato de osaka après divers recoupements et témoignages d'employés comprit que kobayashi était le responsable de ces vols à répétition et le menaça de porter plainte s'il ne remboursait pas les sommes immédiatement il fut décidé avec le bureau local que 30 000 yens, environ 250 euros, seraient prélevés de son salaire jusqu'à remboursement intégral de la somme. Mais cette situation ne convenait pas du tout à Kobayashi qui prévoyait déjà le coup d'après. Ce qu'il remboursait d'un côté, il le volait pour partie de l'autre, continuant les petits prélèvements illégaux de ci-de-là. Mais c'était autre chose qui l'obsédait bien plus encore que ses problèmes d'argent. Les visions de ses crimes passés lui revenaient en boucle et les livres qu'il achetait ne lui suffisaient plus, pas plus que les sous-vêtements qu'il continuait à voler dès qu'il le pouvait. Alors le 26 septembre, reprenant ses habitudes de prédateur, il partit se promener dans le quartier de Ktakatsalagin, en loin d'une école primaire un peu isolée des habitations. En fin de journée, il repéra une petite fille de 6 ans qui sortait de l'école et rentrait chez elle. Il choisit de la suivre car elle, contrairement à ses camarades de classe, partait seule et se dirigeait vers une route isolée, sombre et sans habitation. La traînant de force dans un coin aveugle, il la força à se déshabiller et lui fit subir des attouchements tout en filmant l'ignoble scène avec son téléphone. Camouflé derrière des lunettes noires et une casquette, il la menaça de revenir la tuer si elle parlait de ce qu'il s'était passé à qui que ce soit. Terrifiée, la petite victime gardera son terrible secret pendant deux mois. De son côté, le criminel pensait à la suite à donner à toutes ses exactions. Il parlera longuement de son cheminement intellectuel criminel, celui qui le conduira bientôt à commettre l'irréparable. Il avait pris conscience qu'à pied, il était facilement repérable par le voisinage et les professeurs, c'est d'ailleurs ce qu'il avait fait tomber à deux reprises. Il lui fallait donc trouver une voiture, après tout, c'est ce que son idole, Miyazaki Tsutomu, l'otaku tueur de petites filles, avait fait. Alors pourquoi ne pas suivre les traces de celui qu'il considérait depuis quelque temps comme un modèle Une autre pensée le hantait, celle de kidnapper ses victimes pour les avoir avec lui, chez lui, à disposition. Le temps que lui laissaient ses agressions dans la rue était bien trop court pour lui, et il voulait profiter plus longtemps des crises et des plaintes de ses petites victimes. Il voulait aussi filmer pour pouvoir en profiter plus tard, comme l'avait fait Miyazaki. Il le savait. S'il passait à l'action et accomplissait son funeste dessein, il lui faudrait tuer la fillette de peur qu'elle ne parle et le fasse identifier. À ce moment précis, il le savait. Il ne retournerait pas en prison sans avoir accompli ses ignobles fantasmes, mais cela le plus longtemps possible. Et savait que s'il était pris, c'était la mort assurée pour lui. Ce cheminement il en parlait ouvertement, bien que sous pseudonyme, sur le textboard très à la mode à l'époque au Japon, To Channel, qui permettait via un système de thread crypté de communiquer entre passionnés d'un même sujet, du style être totalement hors la loi. Il avait ouvert un fil de discussion et y parlait de ses fantasmes, de son goût prononcé pour les fillettes, et y donnait aussi des conseils pour tous ceux qui, comme lui, voudraient passer à l'acte. Il y expliquait comment rentrer en contact avec des enfants sans éveiller les soupçons des parents, comment agresser une fillette sans se faire prendre et comble de l'infâme. De nombreuses personnes le remerciaient pour ses conseils et même parfois lui disaient les avoir suivis avec succès. Par exemple, au mois d'août 2004, apprenant par un spot télé qu'un nouveau cartable avec un système GPS venait d'être commercialisé, il en donna la référence et les photos à tous, leur disant d'éviter les enfants qui le portaient. Le 2 novembre, il commença à poster des messages sans ambiguïté, disant qu'il en avait marre de prendre et de repartir, qu'il lui fallait son esclave juvénile à domicile. Un peu plus tard, il postera ses plans détaillés, la surveillance, la voiture, etc. Puis, quelques jours avant de passer à l'acte, il postera ceci. Ça y est, je suis prêt, c'est pour dans quelques jours. Là aussi, il recevra de nombreux encouragements. Prétextant rendre visite à sa famille, il empruntait parfois la Toyota Corolla de l'un de ses collègues de travail. Mais c'est de tout autre trajet dont l'automobile était chargée. Sillonnant les rues de Nara et d'Osaka, Kobayashi prenait des notes, repérait les endroits isolés près des écoles, des parcs et des centres de loisirs. Plusieurs fois il tenta une approche, mais voyant des passants ou des voitures derrière lui, renonça à ses projets. Ces allées venues durèrent jusqu'au 17 novembre, Juro Kobayashi sombra dans la folie meurtrière, la pire qui soit, mettant un terme beaucoup trop précoce à une vie innocente et ce, dans les pires conditions qui soient. Au matin du 17 novembre 2004, Kobayashi prit la voiture qu'il avait depuis rachetée à son collègue et partit en quête d'une victime dans les endroits qu'il avait longuement repérés. Il prit la route d'Osaka et roula lentement dans les rues qu'il connaissait pour être proche des écoles et des parcs. Mais après plus d'une heure de va-et-vient, il ne trouva personne pour mettre son plan à exécution. Il dira plus tard qu'il n'y avait que des garçons et des filles trop âgés et accompagnés. Alors, énervé par cet échec, il reprit le chemin de Nara. Il s'était dit qu'il préférait chasser loin de ses terres, mais il n'y tenait plus. Il avait décidé de passer à l'action aujourd'hui, alors il fallait qu'il le fasse. Il arriva vers 13h dans le quartier de Tomio où il savait y avoir une école primaire un peu plus isolée que les autres au milieu des habitations désertées par les parents qui travaillaient. Garé un peu en retrait, il savait qu'il y avait un poste de police pas très loin. Il observa la porte de sortie de l'école et vers 13h15 repéra deux fillettes qui sortaient et discutaient tout en se dirigeant vers le petit parc qui faisait face à l'établissement. Il resta là à les regarder jusqu'à 13h30, voyant si personne d'autre ne venait, mais vers 13h40, alors qu'il s'apprêtait à démarrer son véhicule, une femme, la mère de la victime, vint parler avec l'une des petites, lui donna un petit paquet, un dessert en fait, puis repartit en lui disant de ne pas tarder à rentrer. Venu à pied, Kobayashi pensa avec raison que les parents de cette fillette n'habitaient pas loin et que donc elle devait sûrement rentrer chez elle par ses propres moyens. À 13h50, elle termina le dessert qu'elle avait partagé avec son amie, puis, la saluant, ajusta son cartable sur son dos et prit le chemin du retour. 14h. Kobayashi arrivant en voiture derrière elle, alors qu'elle quittait le parc et marchait vers sa maison, interpella la petite Ariyama Kaede, 7 ans, en lui disant que sa maman lui avait dit de la ramener ayant dû s'absenter. Confiante face à un adulte, elle montra dans la voiture. Sa famille ne la reverra jamais. Kobayashi conduisit les 11 kilomètres qui le séparaient de son appartement à faible allure et en prenant des routes parallèles, et y arriva vers 15h20. Il installa la petite Kaede à son bureau et lui dit alors qu'il allait l'aider à faire ses devoirs, comme sa maman le lui avait demandé. C'est effectivement ce qu'il fit pendant un moment, puis lorsqu'elle demanda à rentrer, il lui rétorqua qu'il fallait d'abord qu'elle aille prendre un bain. Il la laissa se rendre dans la salle de bain et en fouillant la veste de son survêtement scolaire trouva le téléphone portable de la fillette. Elle revint pour chercher l'objet mais Kobayashi lui proposa d'envoyer une photo et un message à sa mère pour la rassurer, puis il lui dit d'aller bien vite se baigner pour pouvoir rentrer. Il prit effectivement une photo de Kaede et l'envoya à sa mère avec le message suivant ⁇ J'ai votre fille ⁇ après quelques minutes, il entra dans la salle de bain et vint près de la baignoire malgré les protestations de la fillette, apeurée. Là maintenant de force d'une main, il lui fit subir des attouchements sexuels, mais alors qu'il relâchait son étreinte pour baisser son pantalon, Kaede le mordit profondément à la main et tenta de sauter hors de la baignoire. Mais Kobayashi, ivre de colère, la rattrapa au vol et la plaqua contre la paroi avant de lui plonger la tête sous l'eau. Il la maintint ainsi quelques minutes en lui écrasant la figure sur le fond de la baignoire, l'écrasant de tout son poids. Lorsqu'elle ne bougea plus, il la sortit, la sécha et la porta sur son lit. Après s'être allongé près de son cadavre, il dira avoir pensé à beaucoup de choses quant à la suite à donner à tout cela et avoir ressenti une profonde excitation à l'idée que les parents puissent être totalement paniqués après le SMS qu'il leur avait envoyé. Il tenait une partie de sa vengeance, lui, l'enfant battu et humilié par ses parents et ses camarades. Cette fillette aimait de tous, qui habitait dans un beau quartier, allait dans une belle école et était si jolie, c'était lui, Kaoru le binoclar, celui que personne n'aimait, qui l'avait souillé et lui avait ôté la vie. Il fouilla dans le téléphone de sa victime et y trouva un grand nombre de photos de famille. On la voyait avec ses parents et une petite fille de 3 ou 4 ans qu'il identifia comme étant sa petite sœur. Alors, mu par un sentiment de toute puissance et une volonté de nuire à toute épreuve, il reprit une photo de Kaede et l'envoya à nouveau sur le téléphone de la maman avec ce message. Autour de la petite sœur maintenant. Près d'une soudaine fringale, il sortit manger des ramen dans son restaurant préféré, emportant avec lui le portable de la victime. Tout en mangeant, il regarda à nouveau les clichés qu'il venait de prendre et fut pris d'une pulsion irrépressible, repensant une nouvelle fois aux exactions de Miyazaki. Il rentra chez lui une heure plus tard et ôta ses vêtements, venant se coucher à nouveau près du corps de Kaede. Il tenta de la violer, mais la rigidité cadavérique l'en empêcha, alors il essaya de mettre son pénis dans la bouche de la malheureuse, mais une fois encore, il n'y parvint pas, et pour la même raison. Ivre de colère, il alla chercher un marteau dans son placard et fracassa les dents du petit corps sans vie pour arriver à ses fins. Vers 17h15, il ouvrit son ordinateur et se connecta à son forum favori pour y déposer le message suivant ⁇ Voilà, vous allez tout découvrir lundi ou mercredi prochain, je pense ⁇ Vers 19h45, après avoir passé un long moment près du corps de Kaede et pris de nombreuses photos, il appela la mère de la malheureuse avec son téléphone mais ne dit rien lorsqu'elle décrocha, se contentant de respirer puis de raccrocher. Il répéta l'opération une seconde fois et voyant que la nuit tombait, il rhabilla sa victime et la chargea dans le coffre de sa voiture. Il la conduisit jusqu'au village de Heguri, dans le district de Ikoma, près de Nara, et trouvant un endroit isolé à l'abri des regards, la jeta dans un égout et mit de vieux cartons par-dessus. Il était 20h47. Craignant avec raison que le portable de Kaede ne soit tracé par la police, que la mère avait certainement dû appeler, il avait éteint durant son trajet, mais n'y tenant plus et voulant savourer la souffrance qu'il infligeait à la famille, le ralluma avant de partir, il vit un grand nombre d'appels en absence de la mère, et alors qu'il allait éteindre l'appareil, un appel entrant du même correspondant. Il laissa sonner, décrocha rapidement, puis raccrocha, éteignit le portable à nouveau et le rangea dans son sac. Puis le plus tranquillement du monde, il rentra chez lui, écrivit un message sur son blog habituel où il laissa penser à ses followers qu'il était passé à l'acte et alla passer la soirée et une partie de la nuit à boire et à chanter dans son snack préféré. Monsieur et Madame Ariyama, cadres dans une entreprise locale, avaient commencé à s'inquiéter vers 14h30 lorsque la maman était rentrée de la petite course qu'elle avait à faire, croyant voir sa fille aînée à la maison et ne l'y trouvant pas. Kaede était bien au parc une heure auparavant et lui avait dit qu'elle rentrait juste après avoir mangé son dessert avec son amie. Elle n'était pas du genre à traîner, était une fille plutôt sérieuse et puis, pour plus de sécurité, même dans cet endroit tranquille, on ne savait jamais, ses parents lui avaient acheté un téléphone portable. Madame Ariyama, ne trouvant pas sa fille dans le jardin ni chez les voisins, se mit en quête de la retrouver avec l'aide de quelques amis du voisinage, pensant qu'elle avait sans doute décidé de jouer avec une copine chez elle. Voyant ses femmes appelées et chercher, le policier en faction devant le petit poste local se joignit à eux et signala la disparition à sa hiérarchie. Les recherches dans le quartier s'arrêtèrent net lorsqu'elle reçut la photo de sa fille dans un appartement qu'elle ne connaissait pas avec ces mots "J'ai votre fille." Dès lors, c'est la police préfectorale de Nara, vite épaulée par la brigade criminelle d'Osaka, qui prendra le relais et mettra un plan de recherche en place, car la règle est la même dans tous les pays du monde. Dans une affaire de disparition ou de kidnapping, les premières heures sont cruciales. Au fur et à mesure que les heures passaient, que les parents horrifiés recevaient photos et appels du ravisseur qu'ils ne savaient pas encore être assassin, la police interrogeait tous les témoins potentiels de l'enlèvement. Deux camarades de classe de KD avaient assisté à la scène et témoignèrent de ce qu'elles avaient vu. Pour elles, c'était sûr, leur copine était montée dans la voiture de son plein gré, elles l'avaient clairement vu. Par contre, et c'est bien normal, à 7 ans, elles décriront le véhicule comme étant de marque Nissan et peut-être noir ou bleu marine. Ce fut donc un avis de recherche sur ce genre de voiture qui fut lancé, faisant perdre aux enquêteurs un temps précieux. L'analyse des caméras de vidéoprotection du quartier commencera bien plus tard, nécessitant une réquisition du procureur et donc l'ouverture d'une information judiciaire qui ne vint qu'en en fin de journée. C'est ce feu vert du procureur qui permettra aussi à la police de s'intéresser au traçage du téléphone de la petite KD, et après avoir vu qu'il bornait pour la dernière fois dans le village de Hegoli, d'y envoyer une équipe de recherche et de secours avant de découvrir son corps, à minuit 5, mettant fin de la plus atroce manière qui soit à l'angoisse des parents et aux recherches. Le corps de la petite victime fut envoyé à l'Institut médico-légal et la scène de découverte du corps passée au peigne fin. De son côté, la brigade de recherche continuait le traçage du téléphone et épluchait les bandes vidéo qui commençaient à arriver en quantité. Kobayashi avait désactivé la fonction GPS du portable de sa victime, croyant qu'ainsi, il ne risquait rien à le conserver avec lui comme un trophée pour, pourquoi pas, s'en resservir afin d'infliger un peu plus de souffrance à la famille. L'autopsie montrera clairement que la malheureuse fillette était morte par noyade, mais l'eau retrouvée dans ses poumons étant de l'eau du robinet, les enquêteurs excluront les lieux extérieurs des environs tels que lacs et rivières et se concentreront sur l'analyse de cette eau. Ils établirent vite que sa composition chimique était similaire à celle de la compagnie de distribution locale et purent déjà resserrer le champ d'investigation. Sur le corps et les vêtements de la victime, la scientifique découvrira des cheveux qui n'appartenaient pas à Kaede, ainsi que du sang du groupe B. Kaede était du groupe A, dont sa bouche arrivait là après la morsure qu'elle infligea à son bourreau. Un ADN complet fut établi, mais qui ne correspondait à personne de connu dans les fichiers génétiques criminels. Car oui, cela peut paraître irréel, mais Kobayashi, malgré ses deux condamnations et ses diagnostics des plus inquiétants, n'avait jamais fait l'objet d'aucun fichage ADN, et n'apparaissait donc sur aucune base de données, si ce n'est celle des empreintes digitales, qu'il s'était bien gardé de laisser sur place. De son côté, l'officier en charge de l'enquête, se basant sur le témoignage des enfants et la facilité avec laquelle la victime était montée dans le véhicule, et l'apparente connaissance des habitudes de l'enfant par le meurtrier, penchait pour l'acte d'un proche de la famille, un voisin ou même un parent. Alors, il orienta son enquête en ce sens et interrogea bien sûr les parents, les grands-parents et les cousins, les poussant dans leur dernier retranchement, mais il dut se rendre à l'évidence, aucun de ces braves gens n'avait la moindre chance d'être impliqué de près ou de loin dans ce meurtre sordide. Du côté de l'analyse des images de vidéosurveillance, aucun véhicule, ni noir ou bleu marine, n'apparaissait aux alentours de l'école et du parc. Au moment de l'enlèvement, et la brigade de recherche commençait à désespérer. Mais lors d'un énième passage dans la ruelle où avait eu lieu le kidnapping, l'officier de police en charge de l'enquête remarqua une petite caméra extérieure devant une maison individuelle et qui filmait la barrière et l'entrée du garage. Avec un peu de chance, elle aurait pu filmer la rue au moment des faits. Il obtint la réquisition des images et put enfin avoir la première bonne nouvelle depuis le début de son enquête. Sur la vidéo, en couleur, on voyait clairement une voiture ralentir, ouvrir une fenêtre, puis vers 14h, la petite Kaede montait de son plein gré dans le véhicule qui n'avait rien à voir avec une Nissan noire, mais qui était une Toyota Hatchback verte. Malheureusement, le visage du conducteur n'était pas identifiable et la plaque d'immatriculation illisible. Enfin, ils avaient une description fiable du véhicule et un nouvel avis de recherche national fut lancé. De son côté, Kobayashi savourait sa réussite. Il avait pu réaliser son fantasme morbide et voyant la police tourner en rond, pensait bien qu'il s'en tirerait sans problème et pourrait vite recommencer. Il pensait souvent à Miyazaki Tsutomu et le prenait de plus en plus comme modèle, même s'il avouera bien plus tard que, s'il avait apprécié son expérience nécrophile, la nécrophagie de ce dernier ne le tentait pas vraiment. Alors, tout naturellement, il reprit le chemin du travail dès le lendemain et reprit également ses petites habitudes, dont celle d'aller boire et chanter presque tous les soirs dans les snacks proches de son lieu de travail. Plein de confiance et de plus en plus isolé dans son monde tordu où il voyait sa perversion comme une norme, il parlait de plus en plus ouvertement aux hôtesses qui commençaient à le regarder différemment. Le soir du 14 décembre 2004, presque un mois après les faits, il but plus que d'habitude et montra une photo du corps sans vie et dénudé de Kaede à une des filles du snack qui, horrifiée, lui demanda comment il avait eu ça. Comprenant son erreur, il raconta l'avoir trouvé sur internet sur le site de la police et partit précipitamment. Mais ivre de pouvoir autant que d'alcool, il commit ce soir-là l'erreur qui allait mettre un terme à son errance criminelle. Depuis quelque temps, il regardait les photos de la petite sœur de Kaede et avait échafaudé un scénario morbide autour de son kidnapping, son viol et son exécution. Sûr d'être devenu intouchable, il ralluma le portable de sa victime et envoya un SMS à la mère avec ces mots. Cette fois, je viens pour la petite sœur. Puis, prévoyant de se défaire du portable par sécurité, il envoya les photos de la bibliothèque sur son propre téléphone. Il ne fallut pas longtemps à la brigade de recherche pour trianguler le téléphone de Kaede. Le meurtrier était dans le quartier de Kawai, à Nara. Mais plus intéressant encore, il avait envoyé un message à un autre numéro qui n'était pas celui de la famille Ariyama. Les recherches furent immédiatement lancées. De son côté, le responsable de l'enquête avait réduit le nombre de Toyota Corolla vertes dans le secteur et était tombé sur un profil intéressant, celui d'un homme deux fois condamné pour des délits sexuels sur mineurs dont une tentative de meurtre, un certain, Kobayashi Kaoru. Ne voulant pas affoler son suspect et attendant d'autres preuves matérielles, il fut placé sous surveillance dès le 20 décembre, et bientôt, un témoignage inespéré vint apporter de l'eau au moulin de la police, celui de l'hôtesse à qui le meurtrier avait montré la photo et qui ne pouvait plus garder ça pour elle. Quelques jours plus tard, le propriétaire du téléphone à qui le suspect avait envoyé un message était formellement identifié, encore un certain Kobayashi Kaoru. Recoupant toutes les informations, les témoignages et les photos, la brigade criminelle décida de l'arrestation du suspect pour la matinée du 30 décembre. Une unité d'intervention fut mobilisée et Kobayashi fut intercepté au volant de sa camionnette alors qu'il rentrait de sa tournée de distribution matinale. Placé en garde à vue, il fut rapidement présenté au procureur qui n'attendait qu'une chose pour le mettre en examen pour meurtre, le résultat de la perquisition. Elle ne se fit pas attendre. En fouillant l'appartement du suspect, la police y trouva le téléphone de Kaede, qui n'avait finalement pas jeté, son randoselle, c'est-à-dire son sac à dos de classe réglementaire, ainsi que son blouson, mais aussi des centaines de magazines et mangas pédopornographiques, 90 DVD du même genre, dont beaucoup totalement interdits par la loi, et dans sa chambre, plus de 80 pièces de sous-vêtements de petites filles volées dans les jardins depuis des années. Sur son ordinateur, la police trouva des centaines de messages postés sur Toutians et des codes d'accès ainsi que des confessions involontaires de certaines attaques dont il s'était rendu coupable et pour lesquelles il n'avait jamais été inquiété. Il fut mis en examen pour meurtre au premier degré, viol sur mineurs de moins de 12 ans, abandon de corps, détention et diffusion d'images pédopornographiques et agressions sexuelles multiples sur mineurs de moins de 12 ans, après qu'on ait retrouvé les photos de l'agression de la petite-fille de Kitakatsuragi sur son portable. Loin de nier les faits, il invoqua tout d'abord les manquements de la société et sa maladie mentale qui le rendait à ses yeux irresponsable de ses actes. Puis, voyant que la presse nationale et internationale s'intéressait à lui, commença à changer d'attitude. L'enquête fut assez facile tant le suspect se livrait à qui voulait l'entendre et en rajoutait même de plus en plus. Il n'y a juste la préméditation sur la personne de Aliyama Kaede en déclarant qu'il avait frappé à l'aveugle, que ça aurait pu être n'importe quelle autre fillette, que son seul désir à ce moment-là était de violer et de tuer examiné par des experts psychiatriques dont le célèbre professeur Yamagami à la demande de son avocat, ces derniers diagnostiquèrent à nouveau un trouble du comportement mais aussi un trouble de la personnalité antisociale et une déviance pédocriminelle pathologique. Mais au vu de la préméditation, des moyens mis en œuvre pour camoufler ses crimes et de la pleine conscience de ses actes, le juge décida de ne pas prendre en compte l'abolition du jugement au moment des faits. Il fut donc présenté devant la Cour le 18 avril 2005 pour le début de son procès, comme un accusé en pleine possession de ses moyens. Dès le début, il fit son show, se moquant totalement de la peine de la famille et du dégoût qu'il inspirait aux gens venus assister au procès. Parmi eux, il y avait beaucoup de proches, de voisins de la petite Kaédé et des familles de ses camarades de classe. Lors de la première audience, il déclara au juge qui lui demandait s'il voulait prendre la parole, je vous demande de me condamner à mort le plus vite possible. Maintenant, je veux laisser mon héritage au monde comme Miyazaki Tsutomu et Takuma Mamoru. Takuma s'était rendu coupable du massacre de 8 enfants dans une école d'Osaka 3 ans avant les exactions de Kobayashi et il le citait souvent comme modèle, mais celui qu'il tenait pour son inspirateur principal, à savoir l'otaku tueur de petites filles Miyazaki Tsutomu, lui, n'entendait pas se faire voler la vedette par ce Kobayashi. Il fit d'ailleurs passer quelques mots par le biais de son avocat où il se plaignait de ce plagiaire qui, je cite, n'avait tué qu'une seule fille. Puis, répondant à un journaliste peu de temps avant son exécution, il déclarera Je refuse que ce Kobayashi se fasse appeler le nouveau Miyazaki, il ne m'arrive pas à la cheville et il n'est même pas fou. Bien entendu, ce genre de tergiversation malsaine entre psychopathes n'arrangèrent pas les affaires de Kobayashi qui éliminaient de fait toute alternative à la peine capitale. Elle fut prononcée par le juge Tetsuya de la cour de district de Nara le 26 septembre 2008. Le condamné n'eut aucune réaction outrancière à l'énoncé du verdict, se contentant de s'incliner devant le juge comme pour le remercier. Son avocat interjeta appel, mais Kobayashi le fit annuler, disant qu'il acceptait sa sentence et souhaitait l'avoir exécutée le plus vite possible. Il dira de lui qu'il savait être irrécupérable et que son instinct de prédateur était toujours présent que si on le libérait un jour, il recommencerait car ce mal était en lui. Il y eut malgré tout des tentatives de la part d'un jeune avocat abolitionniste qui avait repris son dossier et qui déposa un recours en annulation en juin 2007 pour inconstitutionnalité de la peine capitale, mais la Cour de Nara l'invalida en avril 2008. Un mois plus tard, la Haute Cour d'Osaka confirma la sentence puis ce fut au tour de la Cour suprême du Japon le 7 juillet 2008. Kobayashi Kaoru fut exécuté le 21 février 2013 à la prison d'Osaka. Selon ses gardiens, ses derniers mots auraient été Hihi, on va prendre un bain En réalité, derrière cette façade bravache et provocatrice, la réalité fut plus mitigée. Quelques mois après sa condamnation et devant les témoignages absolument déchirants des parents de Kaede, Kobayashi avait écrit plusieurs lettres pour eux et qu'il leur fit passer par le biais de son avocat, mais ceux-ci refusèrent de les prendre, et on peut les comprendre, et l'avocat les conserva jusqu'en 2016 avant de les faire publier. Le condamné y disait entre autres ⁇ Je sais que j'ai volé la vie de votre précieuse petite fille dans les pires conditions qui soient. ⁇ J'étais en larmes quand je vous ai entendu parler d'elle pendant mon procès, mais je n'ai même pas pu vous dire à quel point j'étais désolé et voulais m'excuser pour ça. Je n'ai pas le pouvoir de la ramener à la vie ni de calmer votre peine, mais mon exécution vous fera du bien et calmera votre colère contre moi autant qu'elle lavera mes fautes. Cette atroce affaire ne fut pas sans conséquences au sein de la société japonaise. La plus anecdotique fut que le grand quotidien mainichi Shimbun mit un terme à toute collaboration avec les branches distribution de Nara et Osaka dans lesquelles avait travaillé Kobayashi. Mais au-delà de ce détail, ce fut la question épineuse du suivi des délinquants sexuels et des pédocriminels qui fut mise sur le devant de la scène et la réflexion sur l'adoption d'une loi de type Megan's Law américaine fit son chemin. Mais la Constitution et la mentalité japonaise firent que, malheureusement, les résolutions n'allèrent jamais jusqu'au bout et le Parlement accoucha de quelques textes timides, certes, mais qui vont tout de même dans le bon sens. Cela commence par le fichage génétique de tous les délinquants sexuels et aussi le partage de ces données capitales par toutes les forces de police, l'administration pénitentiaire et la justice. Un suivi post-libératoire des condamnés pour pédocriminalité et un signalement aux autorités locales a également été mis en place et semble fonctionner dans les limites de ses possibilités. Comme ce fut le cas pour Miyazaki Tsutomu, tous les projecteurs furent braqués sur la subculture dite otaku, dont la définition au Japon est très différente de celle donnée en Occident, et plus particulièrement sur les Figyo Moezoku et autres Lolikan Otaku. Tel l'agneau sacrificiel, cette population qui n'a rien d'homogène fut jetée en pâture à la vindicte populaire et désignée comme la seule coupable de ce meurtre atroce, en dédouanant presque Kobayashi. Or, même si effectivement le meurtrier collectionnait les mangas et les animés pédopornographiques, il n'était pas un consommateur de séries normales et populaires et avoua même n'avoir aucune culture manga, ni même un début d'intérêt pour ce monde. La campagne anti-otaku fut réellement violente et les tabloïds demandèrent même leur fichage pour prévenir les futurs crimes sexuels. Ce fut le député maire de Setagaya, Hosaka Nobuto, qui calma le jeu et fit la part des choses, éclairant ses compatriotes les plus âgés et les plus hargneux sur les différents courants et les encourageant à ne remettre en question que ce que l'on appelle le lolicon, c'est-à-dire un type de production érotique et pornographique mettant en scène des enfants. Fort heureusement, ce fut fait et les horreurs que l'on pouvait trouver en toute légalité sur les étals des libraires disparurent. Les éditeurs de mangas et d'animés pornographiques se virent imposer un cahier des charges strictes quant à la représentation des personnages et leurs caractéristiques physiques, et certains d'entre eux durent mettre la clé sous la porte. J'étais encore éditeur quand cette loi est passée et je vous assure qu'elle a fait beaucoup de bien à tout point de vue. De fait, tout éditeur, même amateur, qui produisait du contenu érotique montrant des personnages prépubères tombés sous le coup de la loi. Alors même s'il reste des boutiques physiques ou en ligne qui vendent ce genre de contenu sous le manteau, la police les traque et il semblerait que cela devienne de plus en plus rare, espérons-le, en voie de disparition. Un grand ménage fut également fait sur les textes scriptés, cryptés, Chan en tête, mais ne réussit pas à endiguer le phénomène, car ces lois ne concernaient que les compagnies japonaises. Alors très vite, les délinquants sexuels, mais aussi les suicidaires, se tournèrent vers la concurrence internationale, souvent russe. En 2014, M. Ariyama publia un texte poignant, lui pourtant si discret jusque-là, et d'une dignité qui força le respect de tout le pays. En voici les grandes lignes. Dix années ont passé depuis que Kaede s'en est allée, et malgré le temps qui continue sa course et nous éloigne de l'horreur des faits, ma tristesse et ma souffrance sont aussi fortes qu'au premier jour. Je me demande quelle vie elle aurait aujourd'hui, elle aurait presque fini le lycée, si son sourire serait toujours aussi éblouissant et communicatif, si elle serait toujours aussi fusionnelle avec sa petite sœur qui rêve d'elle si souvent et à qui elle manque chaque jour. Je pense que la culpabilité de n'avoir pas su protéger ma fille ne s'effacera jamais. Je vis cela au quotidien et ça m'empêchera toujours d'être heureux. Tout dans la vie me rappelle ma grande fille et sa mort brutale, et sans l'amour que je porte à sa petite sœur, je serais déjà parti la rejoindre. Voilà six ans que son meurtrier a été exécuté, et même si c'est ce que nous voulions et que sa mort nous a libérés d'un poids, c'est aux funérailles de notre enfant bien-aimé que nous pensons chaque jour. Puisse aucun parent sur terre ne vivre une telle chose. Alors 17 ans après ce drame, qu'en est-il de la pédocriminalité et de la surveillance des condamnés sur le territoire japonais S'il est une chose que cette amorce de la loi Megan a pu améliorer, c'est le taux de récidive. D'après les dernières statistiques fournies par la police métropolitaine de Tokyo en 2019, il serait de seulement 16 chez les criminels condamnés et remis en liberté grâce à la transmission de leurs dossiers dans les commissariats de quartier et leur surveillance étroite par les services de police. Un facteur a également contribué à faire baisser le taux d'enlèvement et d'agression sexuelle chez les plus jeunes, et c'est la création renforcée de comités de surveillance citoyenne, souvent animés par d'anciens policiers et qui consistent en une brigade de volontaires portant gilets et casquettes et qui encadrent les rentrées et sorties scolaires. Ils assurent la sécurité routière des enfants mais sont aussi formés à l'observation et repèrent les potentiels prédateurs rôdant autour des écoles. Pour avoir fait partie de l'un de ces comités lorsque ma fille était en primaire, je peux vous assurer que ces gens sont très sérieux et dévoués. Mais malheureusement, si ces quelques mesures et initiatives ont réussi à endiguer quelque peu les agressions, les meurtres d'enfants, eux, sont repartis à la hausse depuis 2013. Échappant à tout contrôle, puisqu'ils sont pour la grande majorité l'œuvre de primo-délinquants, ils inquiètent les autorités et forcent à réfléchir à une nouvelle stratégie. La brigade de lutte contre la cybercriminalité met les bouchées doubles sur la surveillance des forums de suicidaires qui sont un vivier pour les pédocriminels qui guettent les adolescents en mal de vivre. Cette unité d'élite surveille également de près les sites de petites annonces et forums manga et animés sur lesquels se côtoient enfants, adolescents et adultes et qui sont parfois le terrain de chasse des pires individus. Mais malheureusement, ces systèmes pointus et efficaces dans certains cas ne peuvent rien contre les prédateurs opportunistes, ceux qui ne préméditent rien et sont intraçables sur Internet et absents des abords des écoles. Ce sont ces criminels qui ont alourdi les statistiques de ces dernières années et n'oublions jamais que derrière ces chiffres, il y a des drames humains irréparables. Ainsi, je prendrai en exemple l'année 2014 qui a connu un triste record et confirmé cette hausse avec le 11 septembre la disparition de la petite Ikta Mirei, 6 ans, à Nagataku près de Kobe, alors qu'elle rentrait de l'école. Elle sera retrouvée morte le 23 septembre dans une forêt non loin de son domicile, son corps découpé en morceaux et emballé dans des sacs plastiques de supermarché. Son meurtrier, un homme de 45 ans, sera retrouvé et arrêté deux mois plus tard grâce à la police scientifique qui a tracé les empreintes de pneus retrouvées sur place, les téléphones qui avaient borné dans le secteur et les caméras de vidéoprotection des commerçants environnants. Des mangas et des DVD de pornographie infantile seront retrouvés chez lui en quantité. Deux jours avant la disparition et le meurtre de la petite Mireille, c'est une collégienne de 12 ans qui a été enlevée lorsqu'elle rentrait chez elle à Yatimata. Forcée à monter dans une voiture par un individu qui la menaçait avec un couteau, elle sera séquestrée et violée à son domicile et devant une caméra, puis relâchée une heure plus tard. Malgré les menaces de mort, la victime ira immédiatement porter plainte et son agresseur de 25 ans sera très vite arrêté. Là encore, la police retrouvera plus de 50 DVD d'animés et de films pédopornographiques et une centaine de mangas prohibés mettant en scène des filles en uniforme de collège. Deux mois plus tôt, le 14 juillet, dans la ville de Koraski, une petite fille de 11 ans a été enlevée alors qu'elle sortait de l'école par un homme qui a fondu sur elle comme un rapace et l'a jetée dans son coffre devant les yeux sidérés de sa mère. La malheureuse sera retrouvée au domicile de son ravisseur à Tokyo 4 heures plus tard grâce au GPS de son téléphone et au numéro de plaque relevé par la maman. Le ravisseur, un chômeur de 49 ans qui vivait du trafic de livres et DVD de pornographie infantile, avait eu le temps de la violer et de prendre photos et vidéos qu'il avait déjà eu le temps de vendre sur Internet. La même année, le 11 février, une fillette de 11 ans disparaissait à Sagamihara alors qu'elle promenait son chien. Elle réapparaîtra quatre jours plus tard se présentant dans un commissariat de quartier et conduira la police à l'arrestation de son ravisseur. Là encore, un homme de 30 ans, marié et père de famille, fut arrêté et condamné pour le rapt et le viol de l'enfant, et la police retrouva à son domicile DVDs et mangas prohibés mettant en scène de très très jeunes filles. Cette année-là, ce furent 1679 cas de violences sexuelles sur mineurs qui furent recensés dans tout le pays, et ce chiffre ne varie pas énormément depuis, atteignant même des pics inquiétants en 2019. Alors, au vu de ces crimes et de ceux qui les commettent, il n'est pas farfelu de faire un parallèle entre la possession de DVD et de livres pédopornographiques et le passage à l'acte qui peut en résulter, et il convient de se poser une question légitime. Pourquoi et comment ce genre de publications peuvent-elles encore exister la loi du 15 juillet 2014 prévoit un an de travaux forcés et un million de yens d'amende environ 8000 euros pour tout possesseur de ce genre d'image même numérique, et dans les faits, bon nombre de contrevenants ont été condamnés les premières années d'application. Mais voilà, comme dans tous les pays et pour toutes les lois, certains ont trouvé les moyens de contourner ces textes et certains avocats s'en sont même faits les spécialistes par exemple le texte légal précise que sont interdites je cite les images fixes ou animées qui mettent particulièrement l'accent sur les parties sexuelles de l'enfant alors les éditeurs clandestins gomment ou floutent ces parties en particulier et se couvrent en cas de problème il en va de même pour les éditeurs de films qui, connaissant le potentiel économique de ce secteur, engagent des actrices de tout juste 18 ans mais qui en paraissent beaucoup moins pour être sûrs de ne pas avoir d'ennui mais axent toute leur communication en mentant sur cet âge supposé et en proposant des jaquettes qui affirment que les actrices sont mineures. Ce marché qui joue avec la légalité représente un volume de 300 à 350 000 DVD par an et une manne financière importante. Sorti peu à peu de la clandestinité à cause de quelques affaires jugées et gagnées par ses éditeurs, cette forme de vidéo pour adultes apparentée au Lolican refait peu à peu son apparition sur les étals des magasins et dans les boutiques en ligne. L'ambiguïté terrible que ces productions représentent, et ce, le plus légalement du monde, pousse les associations de parents et le législateur à se poser des questions et à envisager une refonte actualisée de cette loi. En 2019, j'ai assisté à une table ronde avec une association de parents de victimes et des représentants de la police et du gouvernement, et entendu un grand nombre de mesures qui ne me semblent pas irsutes et qui pourraient, à terme, protéger les enfants des prédateurs. Celle qui a le plus retenu mon attention et que j'aimerais beaucoup voir voter est celle visant à interdire le port d'uniformes scolaires dans les productions pornographiques et érotiques. En effet, l'association de cet élément de costume lié à l'enfance avec des mises en scène sexuelles propres aux adultes ne peut être qu'un facteur qui, s'il ne pousse pas forcément le spectateur vers la pédocriminalité, peut l'y conforter s'il est déjà atteint de ce type de déviance. De nombreux éditeurs classiques de vidéos pour adultes ont déjà supprimé ce genre de contenu de leur catalogue et ne tournent plus qu'avec des actrices de plus de 21 ans et sans aucun signe pouvant rappeler l'univers scolaire. C'est une belle avancée, il serait souhaitable pour tous qu'une telle loi soit votée au plus vite. Bien sûr, il va falloir que les réseaux de vente fassent eux aussi leur travail et purgent leur catalogue de ce genre d'horreur, mais la vénalité humaine peut faire craindre quelques retards dans ce processus vital. Le député Osaka a fait un bon travail d'information suite à l'affaire Kobayashi, réussissant à faire faire le distinguo entre otako et pervers criminels et en braquant les projecteurs vers ce monde jusqu'alors méconnu de la pornographie infantile légale. Il semblerait que les mentalités aient évolué depuis ces quelques années et l'on voit de plus en plus de parents signaler aux autorités un fils trentenaire qui colle de drôles de posters sur ses murs et collectionne des mangas étranges. Vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me tient à cœur et dans lequel je suis investi depuis longtemps. Qu'il n'y ait pas de méprise, ce n'est pas un combat contre la pornographie, contre laquelle je n'ai absolument rien, au contraire, vous en trouverez même dans mes productions passées, mais bien contre l'exploitation sexuelle des enfants, de leur représentation et de la diffusion dramatique de telles images qui conduisent malheureusement trop souvent à des drames horribles. Tout le monde se rappelle de cette horrible histoire, comme de l'affaire Kobayashi. Je préfère pour ma part en retenir le nom de Kaede qui, je l'espère, donnera un jour son nom à une loi efficace contre ces horreurs comme la petite Megan Kanka le fit aux États-Unis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être mis au courant de toutes les sorties. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip ou en faisant un tour sur la boutique Satsudin, où vous trouverez mes livres, le CD des musiques de la chaîne, T-shirts et goodies. Venez me retrouver sur mes réseaux sociaux pour suivre mon actualité, Twitter, Instagram et Facebook. Et si vous voulez bénéficier davantage de petits cadeaux et de lives privés, rejoignez l'unité Satsudin. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton Rejoindre en bas de cette vidéo. Je vous quitte, une foule de dossiers m'attendent. Ma